le même tout le monde, c'était probablement même pas un projet. Là. C'est le 28 mars 1969, il y a 40 ans de ça, il y avait entre 5 et 10 000 manifestants gauchistes, des militants de la gauche, barbus, des pas propres. Il y a 40 ans en fin de semaine, j'étais dans les rues de Montréal et eux, ils manifestaient contre l'Université McGill. En fait, parce que l'Université McGill avait de plus en plus de popularité, parce que l'on se réveillait il y a 40 ans déjà. Et on voyait plus que c'était mal. Que les étudiants anglais voulaient apporter. Et on réclamait une francisation de l'institution. En gros, on voulait que McGill devienne une université francophone. On voulait qu'il n'y ait pas d'université anglophone à Montréal, imaginez-vous. Et ça, c'est correct, je ne veux pas partir de la base de cette manifestation. Ben, Gourmand, il mange sur deux en même temps. Je fais un lien avec le gars qui est encore barricadé dans sa maison pendant 24 heures. Il n'est pas barricadé, il est probablement tué encore. C'est que là, cette manifestation-là. On est le 30 mars 2009, il ne fait pas beau. Et tu vois, il y a des grands bâtons qui sont de la place. Des bâtons que l'espoir de la cinéma font. Ils courent après le monde. Ils attaquent les manifestants. Ils disent aux manifestants. Probablement un pic chevelu. Un grand pic. Exactement comme les voleurs dans le temps du Moyen-Âge, les hommes de Gros-Magnon, avec la machine sous la tête, ils courent après les manifestants, ils frappent les lacs. Il y a un pic mort. Il frappe avec son bâton. Il met un petit chat, il passe à gauler à gauche, puis il en frappe un autre. Et il fait un autre petit.